Brando Biriba fut le souffleur de la première représentation mondiale de Cyrano de Bergerac le 28 décembre 1897 au théâtre de la Porte Saint-Martin. À la fin de la représentation, on le trouva mort dans son trou de souffleur. Je me présente. Nom, Biriba. Prénom, Hildebrando. Ce qui donne à l'unisson, Biriba, Hildebrando. Mais moi, pour l'harmonie, je le retourne. Hildebrando, Biriba. Il fut, c'est lui qui souffle et qu'on oublie. Oui, moi j'étais souffleur. Souffleur de théâtre. Mais attention, pas n'importe quel souffleur. Pas n'importe quel étudiant à la recherche de son argent de poche. Non, moi j'étais souffleur. Dans l'âme. Et dès la naissance, quand je sortis du ventre de ma mère, ce n'est pas un cri que je poussais, mais un souffle. Dès l'âge de 5 ans, quand on me mettait assis devant le gâteau d'anniversaire, les bougies allumées, mes parents me disaient « Allez, Hildebrando, souffle !» Moi, je m'approchais de ces petites lueurs groupées et je leur murmurais « Éteignez-vous !» Le temps. Juste un temps d'un sablier pour vous raconter mon histoire.